Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, Dieu merci, ça va. Parce que j'ai la santé, je pense que vous aussi, tout le monde se porte bien, la famille. La famille, attendez d'abord. Il vient pour voir chez nous. Après live, là, je m'en vais chercher mon argent. Donc, avant d'abord que je commence là. Vous qui m'écrivez là pour me dire pourquoi on ne t'a pas vu avec le président Sélo. J'étais au travail, la famille. C'est pourquoi on est là à parler matin, midi, soir pour que ce nous devienne comme ça là. Ici, ce n'est pas comme chez nous. Ça travaille matin, midi, soir. 24 heures, l'Amérique travaille. Donc, on m'a appelé, j'étais au travail. Je n'ai pas pu partir voir mon président. Mais ça ne gâte pas. Mon président est guinéen comme moi. Je vais partir en Guinée, on va se voir. C'est ça. Donc, vous qui sont là à me demander beaucoup, beaucoup là, ne t'en fais pas. C'est le combat là d'abord qui est important. Tant qu'il vit, photo là, ça finit pas. Vous allez me voir avec lui un jour. Donc, avant que je commence la famille. Si je dis que mon président Selou est béni, il est béni. Parce que quand Dieu est derrière toi, c'est-à-dire quand tu crois à Dieu, tu suis son chemin, il ne te laissera jamais tomber. Les personnes intentionnées vont venir sur la route. Tu vas rencontrer le beaucoup de personnes sur ton chemin, mais tant que tu es croyant, Dieu ne va jamais te laisser tomber. Vous avez vu, des fois il y a certains échecs-là. Quand ça t'arrive dans ta vie, ne sois pas choqué. Ne dis pas que pourquoi Dieu m'a fait ça là. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait ça là. Tu ne sais pas. Et quand Dieu est avec ses enfants bénis, tu vas gagner toujours des douleurs. Tu vas gagner toujours des échecs. Tu vas gagner toujours des problèmes. Mais il est là pour te faire sortir dedans. Il te met toujours les coups là pour que tu puisses comprendre ce que tu ne comprenais pas. Pour que tu puisses voir, pour que tu puisses connaître les personnes, donc tu peux continuer la vie avec eux. Pour que tu puisses connaître avec les gens que tu peux travailler avec eux. Beaucoup de personnes sont passées à côté du président Selou. Il les a vus ailleurs. Maintenant, là, il ne peut pas faire confiance avec ces personnes-là. Et ces personnes-là n'ont pas honte, honte même de l'approcher. Parce que Dieu a éclairci tout devant lui pendant ses échecs, pendant ses moments difficiles. Donc, il connaît qui est qui, avec qui il peut travailler, avec qui il peut causer. Il connaît tout. Vous-même, regardez. Colonel est venu faire sortir des choses que d'autres étaient là, ils ne comprenaient même pas. Imaginez-vous, si il partait, si on lui laissait le pouvoir d'aller s'asseoir dans ce couturier au milieu des satans-là. Au milieu des satans-là, nous-mêmes, on n'allait pas reconnaître notre président. On allait dire, mais. Le président Selouda n'était pas comme ça. What happened? C'est ça. On allait se demander what happened. Alors qu'il est parmi les Satans là-bas, nous on est là, on ne connaît pas. Colonel Doumouya, merci. Et enfin, Alamasi Yandirima. Qui croya? Fui les rekani afo Alanya Boutou. Et Ntanyoua. Parce que quand on dit l'homme de confiance, c'est vous.
Quand on dit les enfants bénis du pays, c'est vous. C'est vous. Donc, il faut que Dieu est parmi vous tous. Nous tous qui sommes là, là, Dieu est parmi nous. Mais quand il montre que tu aimes Satan, il te laisse aller sous le chemin de Satan. Mais quand tu montres que je te suis, il est là pour toi. Quel qu'en soit dans le noir, il est là toujours pour faire, pour allumer la lumière devant ton chemin. Donc le président Selou est béni. J'ai dit ça encore et haute voix. Ceux qui sont jalouses de lui là, c'est parce que sa lumière est plus haut. Sa lumière est grand. Ça vous, c'est-à-dire, ça vous donne de la vertige. Ça vous donne palpitation. Ça vous donne beaucoup de choses. C'est pourquoi. Et puis, vous avez fait des mal comme ça de lui. C'est pourquoi vous pensez, vos idées là sont là à vous manipuler comme ça là. Toujours, vous ne voulez pas changer. Et il faut que vous changez. Parce que ce que Dieu est dedans là, quel qu'en soit, vous allez faire. Quand le jour arrive là, vous allez rester bouche bée. Vous allez rester bouche bée. Quand tu suis quelqu'un, tu mets tout dans sa route là et qu'il arrive à sortir dedans, il faut laisser l'intéresser. Tu dois mettre dans ta tête que l'intéressé, non, Dieu lui a envoyé pour ses missions. Tu ne peux pas faire, quel qu'en soit, tu ne peux pas. Laissez-moi partager d'abord la famille. Parce que Dieu est rentré aussi dans mon corps pour vous parler ce matin-là. Laissez-moi partager d'abord. Nous, on est croyants. Si tu viens encore ton crazy là, on se met à ces positions-là encore, on te fight. C'est comme ça est. Donc, laissez-moi partager d'abord. J'ai oublié de partager. Moi, je suis des hommes honnêtes, des personnes qui sont de la valeur. C'est ça. Nous, on n'est pas là pour suivre les faux. On n'est pas là pour suivre les gens qui se font voir pour ne rien. C'est-à-dire les gens qui n'y a rien dans leur situation, ils veulent se faire voir. Nous, on n'est pas là pour eux. Donc, vous, les voleurs du pays, là. C'est le bon moment de travailler. Parce que voler et puis fuir, là, il n'y a plus ça maintenant. Donc, laissez-moi partager d'abord la famille. Ils veulent se faire voir. On n'est pas là pour eux. Donc, vous les. Ok. Partagez la famille. Donc, c'est ça la famille. Le monsieur, il est un homme de Dieu. Les gens qui ont fait au moins 5 minutes avec lui, ils disent, moi, je ne l'ai pas croisé d'abord, mais moi, je suis quelqu'un là. Même ta photo seulement, quand je vois, je peux lire des choses sur toi. Et quand il regarde, c'est vrai. Mes yeux là ne sont pas gros comme ça, simplement. Ça voit loin. Ça voit ce qui va venir demain là. Demain là. C'est ça que mes gros yeux là voient. Donc, ce n'est pas gros comme ça, simplement. Quand je te regarde, c'est ça aussi que Dieu a mis sur moi. Donc, les gens qui ont rencontré mon président Selou Dalé et tous disent que c'est un homme qui est simple. C'est un homme, quand il te parle, non. À travers de sa parole, même moi, ces discours que je vois là,
C'est sur ça même que j'ai eu confiance à lui pour lui supporter matin, midi, soir. Et je vais lui supporter jusqu'au bout. Je vais lui supporter jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas là pour suivre les faux. Donc, c'est ça la famille. Toutes les choses qu'on est en train de voir comme ça, là. Prenez les comportements des grandes personnalités qui sont chez nous. Les personnalités qui se comportent bien, prenons leur exemple. Parce qu'après leur tour, c'est notre tour qui va arriver. Donc, tous les sales comportements, les personnes mauvais grains qu'on est en train de les faire quitter là, il ne faut pas que nous, on masse sur leur chemin là. C'est ça que je vous dis matin, midi, soir. Dieu est venu s'asseoir en Guinée parce qu'il a vu qu'on a pleuré. On a pleuré tellement. Et ce qui était là-bas, il fallait qu'il vienne s'asseoir tranquillement en Guinée. Et il est là-bas. Parce que depuis son arrivée en Guinée, les choses ne font que sortir seulement. C'est-à-dire, il est rentré même dans le corps de colonel Doumbouya. C'est pourquoi colonel Doumbouya ne parle pas. Il prend ce dossier, il finit avec ça, il dépose. Il est venu tout simplement pour éclaircir les choses et puis pour que le vent glacé là soit maintenant en Guinée. Donc nous, les nouvelles générations, c'est le bon moment de se comporter bien, de prendre les bons comportements. Parce que la Guinée, il y a deux groupes là-bas. Ceux qui veulent vraiment le développement de la Guinée. Et ceux qui veulent seulement leur intérêt, c'est-à-dire voler et puis partir. Et il y a courant ou il y a quoi. S'ils ont l'argent là dans leur poche et qu'ils peuvent voyager, ils s'en foutent des pauvres personnes. Ils s'en foutent de la Guinée. Donc nous, on ne fait pas partie de ces groupes-là. Nous, on veut que le pays soit joli. On veut que tout le monde soit satisfait. Parce que c'est ça, un bon travail. C'est ça, un bon travail. Donc, la famille, s'il vous plaît, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Gourmandise, là, il n'y a rien dedans. Jalousie, là, il n'y a rien dedans. Haine, là, il n'y a rien dedans. Chacun de nous est venu avec sa lumière. Donc, quand le temps de ton ami est là, tu lui laisses faire. Tu lui laisses faire. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis sur ta route. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis sur ta route. Donc la jalousie là, ça ne sert à rien. Il n'y a rien dedans. Méchanceté là, il n'y a rien dedans. Les gens qui ont mis bateau sur la route de le présidentiel, ils sont où aujourd'hui? Entre eux et mon président aujourd'hui. Qui est honoré? Qui est honoré? L'enfant qui est né en Guinée, grandi en Guinée, il connaît comment prendre la Guinée. Vous avez vu Colonel Doumbouya? Il est né là-bas, grandi là-bas, avant de sortir. Il connaît le terrain. Quelqu'un qui connaît le terrain et quelqu'un qui ne connaît pas le terrain, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Même là où Alpha Conné est aujourd'hui, là, quand il part questionner le monsieur là aujourd'hui, c'est autre chose encore. C'est autre chose encore, il va dire là-bas. Donc, ce que je peux vous dire là, aimons-nous vivants, donnez-nous la main.
pour que le pays là, on puisse travailler et avancer le pays là. C'est tout ce que moi je peux vous dire. C'est tout ce que moi je peux vous dire matin, midi, soir. Sans l'attente, rien ne peut marcher chez nous. Les dossiers, dossiers, dossiers qui sont là à soulever comme ça, là. C'est-à-dire, quand tu regardes, ça fait honte même, quoi. Tellement qu'il y avait Koukou Zoumoukou en Guinée. Allez-y demander les gars, qu'est-ce que veut dire Koukou Zoumoukou? C'est-à-dire, c'était mélangé et puis profondé. C'est-à-dire, quelque chose qui est mélangé. C'est-à-dire, c'est comme si quand tu mets les chaînes que les femmes des chaînes que on les petites chaînes que on paye là avec boucles d'oreilles là, tu sais quand tu as beaucoup là et que tu arrives à mettre ensemble dans même bol là et chose dans quelque chose là, maintenant tu veux prendre un pour porter ça, c'est mélangé. Des fois même si tu ne prends pas ton temps à détasser petit petit pour que tu puisses mettre chacun dans son chacun, tu ne vas pas porter cette boucle d'oreille-là. Donc, c'est comme ça la Guinée était. C'était mélangé, compliqué, c'est-à-dire, non, ignafognable. Ignafognable. Donc, vous qui sont là, qui ne veulent pas écouter tout ce que tous les autres ont compris là, ça, c'est votre problème. Ça, c'est votre problème. Nous, on est prêts maintenant pour que le pays, là, avance. Comme vous, c'est votre intérêt que vous êtes là à soutenir. Même Alpha Condé vous n'aime pas parce que là où le vieux, là, il est malade, malgré tout ce qu'il a fait, mais il est malade. Vous devrez lui laisser tranquille jusqu'à le jour où Dieu aura besoin de lui, là. Venez, on va faire face à la réalité. Parce que quelque chose qui est gâté, c'est déjà gâté. Dabayato nya, mabata nya, aïna anye benke, anye demana bara. Aïe benafa, c'est ça la solution. Wofa, mouga moubelege so moubore yira, mouga bori yala. C'est ça qui est la vérité. Comment on dit ça en peu? Ah. Fia la famille. Il faut pas que je parle malingue et choses. Gazé et Thomas ici en peu. Donc, fia la nene goto, baba goto. On va devenir ensemble et puis travailler le beau pays là. Blenga, kaka yete kake nupo, kaka ke nmawale, kaka yete kake nupo, ka uno en yekuluka. Loma giti. Aïe, vé boya, a de zoïni, bete, pour que elle se pète à zolosu. Ah, ça, c'est ma langue. Vous avez vu comment je travaille ça comme ça. A de, elle se pète à zolosu. Y'a ega gamay. Donc, ça reste quoi qu'ici? Ah, là-haut, c'est. Venez, on va travailler pour que le pays là aille en avance. C'est ça qui est. Donc, c'est ça la famille. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Tous ceux qui ont mélangé la Guinée. Dieu est là pour faire sortir votre dossier. Donc, ce qui doit sortir dans votre bouche, c'est le pardon pour que tout le monde se donne. Je vous appelle après. Je suis en live. Et que Dieu vous donne la paix du cœur pour que nous tous on puisse en bénéficier ensemble. Car c'est très honte à voir des situations, c'est très honte, la famille. Ça fait honte. Ça fait honte. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous la main pour que le pays là soit en avance. Laissez mon président Selouda tranquille. Vous avez beau faire. Dieu est là pour lui. Dieu est là pour lui. Reconnaissez ça. C'est un homme qui est bien. C'est un homme de Dieu. Ou bien, comme il est beau, c'est ça qui vous fait mal. Il est beau. Hein? Il est clair.
La lumière qui est sur lui là, il peut allumer la Guinée. Donc, lumière là, laissez la lumière là, chose, comment dirais-je, éclaircir la Guinée. C'est ça, parce que vous êtes jaloux de sa beauté là. Ah, on n'a qu'à se dire la vérité. Vous, les Konakona, qui ne veulent pas voir mon Brésil là, parce que tout simplement, il est beau, c'est ça qui vous fait mal. Après live là, je vais encore poster sa photo de lumière. Donc laissez mon plaisir là. Vous avez beau faire, hein? Vous avez beau faire, hein? Dieu vous a montré que c'est quelqu'un vraiment qui va venir donner la joie à ce pays. Donc, oh yata yala, mali, ala yari. Ce qui est important d'abord, laisser mon colonel nettoyer complètement. Parce que quand sa lumière va venir là, il ne veut pas, même les mousses qui sont en Guinée là, qui piquent les populations, même ça, on ne va pas voir ça. Donc on commence d'abord, laisser colonel Lumbuya commencer d'abord sur les êtres humains, les gens qui ont infecté la Guinée là. On va les faire quitter là-bas. On va les faire quitter là-bas d'abord. Parce que c'est un homme de Dieu qui va venir. Donc, Dieu ne veut pas que les gens comme ça là restent à côté de lui. Donc, on doit les éloigner. C'est ça qui est la vérité. Nous, on est dans la pratique. Comme le coach des Ivoiriens là qui dit, nous, on n'est pas dans les ho-ho. Nous, on n'est pas dans les ha-ha. Nous, on est dans la pratique. On veut que Djibogira Gayari. C'est ça notre débat. Donc, tu veux pas, tu prends comme ça. Un point, c'est tout. Vous voulez, vous ne voulez pas, la Guinée va être en avance. Vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez voir le beau président là, devant vous. Et il va vous montrer beaucoup de choses. Car tête là est remplie avec beaucoup de choses que. Vous êtes là, vous ne connaissez pas. Donc, venez, on va se donner la main pour que Djibouya soit arrivé. C'était ça, la famille. Je m'en vais au travail. À bientôt.